les journaux qui nous mentent prolongent la guerre. Ils sont en train de prolonger la guerre et la souffrance des Ukrainiens et la souffrance de tout le monde et un trou énorme dans le portefeuille parce qu'on doit payer des F-35 qui ne fonctionnent pas et qui ne serviront à rien. Et s'ils fonctionnent, ils vont aggraver les dégâts, ils vont aggraver tous les problèmes. Et on doit payer pour enrichir une poignée de fabricants d'armes au lieu de mettre cet argent dans les hôpitaux, les écoles et tout ce dont on a besoin ici. Je suis en train d'étudier tout ça de près et je vous lance un appel aussi parce que avec l'équipe d'InvestiAction, on a formé un collectif Test Média International. On en a vraiment marre de voir que tout ce que dit Anne depuis des années ne sert à rien, que tout ce que moi je dis, ça ne sert à rien, et que les médias recommencent chaque fois les mêmes principes de diabolisation, la même occultation des intérêts économiques, la même occultation de l'histoire, les mêmes méthodes, etc. Donc, on a préparé, et il est prêt dans un mois, Ukraine, la guerre des images, qui va vous montrer toutes les images par lesquelles on a diabolisé Boutcha, la maternité, on a été interrogé des témoins, on a fait une enquête, on essaie de distinguer le vrai du faux.